Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. On se retrouve aujourd'hui normalement pour l'épisode 30, si j'ai pas perdu le compte. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode dernier, j'ai augmenté les niveaux de mes personnages. Donc comme vous pouvez le voir, alors attendez, si je ne clique pas évidemment sur le jeu, ça ne va pas aller, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on est niveau 42, 42, 38 et 39, ce qui m'a permis du coup de récupérer les points de compétences restants pour obtenir les rangs maximum dans leurs armes. Et du coup, on va pouvoir aller chercher leur attaque ultime. Alors, sur les trois, il y en a deux qui sont assez faciles, et il y en a un. Comment vous dire que je savais pas du tout que c'était ça la mission. Ça va être chiant de ouf. Honnêtement, je sais pas si on va le réussir avant le boss, parce que je vais vous expliquer un peu le petit problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer toutes les quêtes. Et une fois qu'on aura la quête, vous allez comprendre le problème, hein, très clairement. Vous allez comprendre le problème. Alors, il faut que je trouve les personnes associées. Toi, t'es qui, toi? C'est la baguette. Très bien. Très bien, très bien. Il faut du coup que je trouve... Alors, l'arc... Et les griffes, c'est ultra simple, honnêtement. C'est ultra simple. Peut-être toi. Ok, non. Ça, c'est les combats au point. Toi, t'es absolument personne. Très bien. Toi, là, je crois qu'il y a quelqu'un ici. À l'arc, voilà. Ok, à l'arc. Maintenant que tu es à mon niveau, je vais pouvoir t'apprendre l'ultime secret de l'archer. Mais tu devras d'abord me rendre un ou deux petits services. Pour commencer, tu vas battre 10 chefs trolls avec ton aptitude pluie de douleur. Ensuite, tu... Mais voyons, d'abord si tu parviens à me rendre le premier service, pour le reste, on verra. Commence par ça, puis si tu me rends le deuxième service, je t'apprendrai une nouvelle aptitude très artistique. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es prêt? Ok, parfait. Comme vous pouvez le voir, c'est assez facile, faut juste qu'on aille chercher des chefs trolls. Et ensuite, du coup, une fois qu'on aura fini ça, on pourra revenir le voir. Donc c'est ultra, ultra simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la foutre tension 5, taper un peu les trolls. Et derrière, on va faire plus de douleur, on va faire très mal. Javelot. Ok. Mais j'ai personne au javelot. Mais j'ai personne en... Ah oui, non, c'est peut-être pas, c'est par rapport à la classe, mais j'ai personne en lance. Donc c'est un peu bizarre. Toi, t'es qui, toi? Ah, le bâton. Ah, mais oui, si, parce que j'avais deux persos qui avaient con ces armes-là. C'est pour ça. Non, mais en fait, vos quêtes m'intéressent pas. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient des équipements avant, et avant, je devais avoir la lance et le bâton, possiblement. Les derniers profs, ils sont où? T'as un prof ici. Ok, c'est bouclier. C'est bouclier, je sais pas si ça, tu peux apprendre des techniques ultimes bouclier. Toi, t'es qui, toi? Non. D'accord, très bien. Très bien, très bien. La lance, c'est où? Il y a la salle des profs ici, il me semble. Alors, toi, t'es qui, toi? Alors, t'es la masse, hein, niveau 100, parfait. Félicitations, vous allez voir la quête. Masse suprême, mais d'abord, je vais te faire passer une petite épreuve. Seuls ceux qui peuvent manier une énorme masse comme une tapette à mouche sont dignes d'apprendre cette aptitude. Prouve-moi que tu peux vaincre un gluant de mercure avec l'aptitude ultime SU tout en portant cette carapace de tortue. Je sais que tu peux le faire, mon petit, alors relèves-tu mon défi ultime. Est-ce que vous avez compris un peu le délire de la quête? Il faut vaincre un gluant de mercure, donc déjà, c'est très compliqué à battre. Avec l'aptitude ultime SU. Ça va être ultra, ultra dur, les amis. Surtout qu'en plus, je sais même pas si j'ai une zone pour les tuer. Je sais que du coup, j'ai regardé un peu. À Kilimanjaro, je crois, il y a une grotte. On peut aller en avoir. Et sinon, c'est au-dessus de Cherubel, mais c'est une zone qu'on peut atteindre qu'en fin de jeu, enfin en endgame. Donc honnêtement, ça va être compliqué. Ok, parfait. Là, c'est pareil. Je crois que le moment est venu pour que tu rencontres les trois monstres dont j'ai fait mes élèves au cours de mes voyages. Montre à chacun l'étendue de tes aptitudes et je te donnerai un livre qui te révélera le secret ultime des griffes. Si tu vas chacun d'eux avec tes griffes, ils se prosterneront devant toi et te parleront. Alors, acceptes-tu ce défi? Parfait. Alors, pas une seconde de plus.
Premier élève, d'accord. C'est une créature aux griffes extrêmement acérées et qui ressemble à s'y méprendre à un loup. Elle est actuellement en train de peaufiner son entraînement quelque part sur la côte névéane, au sud de Saint-Sever. Ok, parfait. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire la quête, celle-ci. Et ensuite, on fera la quête de l'arc. Et ensuite, on finira par la quête de la massue. On va tenter de le faire. Mais si jamais, les amis, c'est pas grave. On fera ça en endgame, évidemment. Parce que, très clairement, ce sera impossible. Alors, le endgame, j'en ferai un peu. Peut-être pas la suite. Il y aura peut-être une pause avec d'autres let's play. Et ça viendra de temps en temps. Ou même des fois en live aussi. Ça pourrait être sympathique. Mais alors, du coup, la côte névéane, c'est possiblement en bas. Ça doit être celui qui doit le chien loup, voilà, côte névéane, et ça doit être le jaune avec la tenue bleue, il me semble. Ou alors c'est lui, je sais plus. Non, c'est un chien loup, parce que enfin, chacun des grenouilles dit que c'est un loup, donc du coup il doit être dans le coin. Alors vous allez complètement mourir. Par contre, le seul problème, c'est que du coup, la spé griffe prend 16 PM, les amis. J'en ai que 17 sans personne. Ça veut dire que véritablement, c'est genre one shot. Faut que ça one shot. Très clairement. Kiwi, parce que niveau 40. Ok, elle était pratiquement au niveau 40. Bah écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. 294 pièces. J'ai beaucoup d'or. De toute façon, il va falloir que je me rachète pas mal d'objets avant. Vous voyez, j'ai 22 000 d'XP. L'entraînement a été un peu long quand même, mine de rien. Pour monter les persos. Parce que bah, les niveaux, c'est à coup de 40 000 d'XP à chaque fois. Donc c'est assez relou. Du coup, où est-ce que je peux en trouver? Voilà, c'est lui, exactement. Alors je sais pas si ça va être directement, mais il faut que j'en tue jusqu'au moment où il y en a un qui va me passer du coup ce que je recherche. Bon là du coup c'est du one shot, hein, très clairement. Les monstres sont plus du tout au level, enfin pratiquement du one shot. Parfait. Et le dernier, mes amis, voilà, one shot également. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Je sais pas si du coup ça a marché. Une peau de bête magique. Et c'était pas lui, ok. Ah si, c'est lui. Le grizzly canthrope se remet vite debout et commence à parler. Waouh, tu te débrouilles vraiment bien avec ses griffes. Si, je sens l'odeur de mon maître sur toi. Il t'a dit de venir me voir pour déterminer si tu faisais l'affaire. Eh bien, je peux t'assurer que tu fais un candidat exceptionnel et je vais lui aboyer tes louanges. Parfait. On a réussi avec le premier élève de Serge. Est-ce qu'il va me dire où est le suivant? Je vais devoir redonner un coup de collier si je veux devenir aussi fort que toi avec les griffes. A bientôt. Ok, possiblement qu'il faut que je retourne le voir. Parce qu'elle m'a pas dit où sont les autres. Possiblement qu'il faut que je retourne le voir à chaque fois. Et du coup, il va me dire où est le deuxième et ensuite le troisième. C'est assez rapide, hein, comme vous voyez. Il faut juste que je me rende dans la zone, je tue le monstre et puis c'est bon. Et puis après l'arc, pareil, ça va être assez rapide, faut que je tue des trolls. Donc bon, honnêtement, ça va être assez rapide. Même si bon, faut quand même un peu farmer. Et c'est pour ça que je vous dis que véritablement, le Glor Mercure, il va être relou à ce fuck. Ok. Alors tu as donc prouvé ta valeur contre mon premier élève. Le moment est venu pour toi d'affronter le second. Mon second élève est un monstre qui ressemble beaucoup à un homme. C'est un rude guerrier qui aime parfois porter un coup dévastateur à l'aide de ses griffes de fer qu'il aime tant. Il est actuellement en train de peaufiner sa technique dans les profondeurs d'un palais. Les profondeurs d'un palais. On va regarder dans les monstres. Alors oui, il va parler parce que j'ai réussi plein de distractions. Ah non, c'est bon. Ça doit être dans les monstres bêtes, j'imagine. Comment dire? C'est... peut-être pas bêtes. C'est pas le... Non, c'est pas les bêtes. C'est pas les bêtes, peut-être matière. Vous voyez, c'est... Je le vois pas ici. Au berserker, non, c'est pas ça. Cavalier de glace, non. Je vois pas où... non, alors c'est pas... Du coup, ça va pas être dans ça. Ah, peut-être humanoïde. Peut-être humanoïde, voilà. J'en vois pas ici... Ah, voilà, c'est ça. C'est ces persos-là. Et du coup, faut que j'en trouve un... dans les profondeurs d'un palais. Oubliette. Ah, possiblement lui. Habitat Oubliette. C'est possiblement lui. Ce monstre se débarrasse d'un ennemi en un coup d'agile et fait demi-tour pour s'occuper du suivant. Il n'a pas la lumière. Les oubliettes... le griffeur, attendez. Ça doit être dans les oubliettes
Attends, attendez. Griffeur DQ9. Ça doit être lui. Oui, mais tu me dis pas où il se trouve. Apparition, famille des humanoïdes. Oui, mais tu me dis pas où est-ce qu'il se trouve. Alors, attendez. Le premier, dans les oubliettes, un griffeur. Ouais, c'est bien celui-là, mais je sais pas où il est. Les oubliettes. Ah, ou alors c'est le palais de l'enfer. C'est le palais de l'enfer aussi. Il y a, je crois reconnaître la zone. Ok. Ok, donc du coup, on va se diriger dans les palais de l'enfer et c'est dans les oubliettes, donc faut que je descende tout en bas. Faut que je descende tout en bas du palais de l'enfer. Très bien. Très bien. Sort et aptitude, téléportation, palais de l'enfer. Parfait. Et du coup, faut que j'aille dans les oubliettes. Est-ce que j'ai un passage facile? À moins que je puisse le trouver comme ça. Hein. Peut-être, hein, je sais plus du tout. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Ah, j'ai un coffre que j'ai pas ouvert ici. J'ai deux coffres que j'ai pas ouvert. Sérieusement. Une mini médaille. Oh. Très bien. Et un pendentif négatif. D'accord. Alors là, par contre, il n'y a plus aucun monstre. Donc c'est peut-être pas ici. Mais je ne sais pas. Faut que je monte tout là-haut. Mais il n'y a plus aucun monstre. Donc en vrai, je pense pas que ce soit là. Il n'y a vraiment plus aucun monstre ici. Et je vois pas dans quelle autre oubliette ça pourrait être. Je peux pas descendre par ici. Non, je peux pas descendre. C'est relou. C'est très relou. Les oubliettes. Ou les antres. Bah les antres, c'est les antres, j'imagine, les... Les donjons. Parce que tu peux avoir des donjons dans le jeu. Attendez, parce que là, du coup, maintenant, j'ai... Voilà, ça s'est passé, c'est ouvert. Donc je peux déjà descendre ici. Est-ce qu'il y a des monstres quand même en dessous? Ah voilà, les oubliettes. Et normalement, il y en a ici. Mais pour le moment, il n'y a pas de monstres. Ah si, c'est bon, il y a des monstres. Ok. Nickel. Ok. Faut quand même que je passe par là-bas. Alors les statues en pierre là, qui vont me faire chier. Mais je suis bien dans la bonne zone. Très bien. Et un chef troll. Ah mais attendez, mais c'est eux que je dois buter. Ah, je croyais que c'était les gros, moi. Je croyais que c'était les gros, mais non, c'est eux les chefs trolls. Ah, attendez, je vais pouvoir faire mes deux missions ici, en fait. Plus de douleur. Toi, tu vas mourir assez rapidement. Ce qui m'arrange. Et du coup, j'ai plus qu'à tuer avec le douleur. Par contre, il a peut-être pris un peu beaucoup de PV. Il a peut-être pris un peu beaucoup de dégâts. Je sais pas s'il a plus de 300 PV, maintenant. Actuellement, où on est. Si, beaucoup plus de 300 PV. Okay, parfait. Aptitude, plus de douleur. C'est parfait. On va pouvoir faire mes deux missions du coup ici. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Et du coup, j'aurais déjà fini la mission avec l'arc. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, on récupère un peu d'XP. On a achevé un chef troll avec une pluie de douleur. C'est le premier dont on venait à battre ainsi. Enfin, un bout ainsi. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Il faut que je descende encore un peu, j'imagine, parce que là j'ai des endroits un peu petits. Donc bon. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là ici, il y a toi, tu m'intéresses pas. Je sais pas si je peux les rencontrer comme ça, les chefs trolls, ou pas. Parce que les zones sont très petites, donc en vrai c'est assez chaud quand même. J'ai déjà fait ces zones là, ouais, je me rappelle même plus de ces zones là. C'est un griffeur ça? Oui, c'est un griffeur. Ok, parfait. Parfait. Ah, il y en a 3 en plus. Écoutez, on va pas se gêner. On va faire une petite gigagache histoire de tous les battre. Comme ça au moins, ce sera fait. Par contre, ils font absolument aucun dégât. C'est dingue. Aucun dégât. Gigagache. Histoire de faire de bons gros dégâts à sa mère. Et voilà, le one shot. Alors par contre, c'est dur. Enfin, ça m'a toujours fait bizarre, je sais pas si de base il est censé avoir un son.
Mais il n'y a jamais de son avec les gigagaches sur le dernier coup. Et c'est pas lui. C'était pas lui, d'accord. J'ai deux pour rien, très bien. Les chefs trolls, à mon avis, je peux en choper dans ces zones-là. Parce que pour le moment, j'en ai vu qu'un. Pour le moment, j'en ai vu qu'un. Comment dire. En combat. Mais peut-être qu'il y a d'autres endroits qui sont plus simples. Enfin, on est déjà dans l'endroit ici, donc en vrai, ça sert à rien d'aller dans un autre. Honnêtement, je pensais que c'était ceux, comment dire, dans le royaume de l'enfer, enfin, le royaume tout puissant, qui est contrôlé par Corvus. Je pensais que c'était ceux-là, mais ça doit pas être les chefs trolls. Ça doit être autre chose. Une paire de griffes sacrées. C'est toujours ça de gagner. Toujours pas. Ok. Ok, ok. On va descendre vraiment tout en bas. Je sais pas si les chefs trolls vont être en bas. Mais. Là, j'en trouve quelques-uns quand même. Parce que là, les zones sont très petites. Alors, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Les dracarapaces, vous pouvez mourir très rapidement, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait énormément. Mais genre, énormément. Ok, parfait. Toi, tu décèdes. Ok, il résiste encore un peu. Fais ta petite attaque. Fais-toi plaisir, l'ami. Voilà. Ah non, toujours pas mort. Non mais oh. Voilà, quand même. Vous êtes des monstres de sous-zone. Alors, s'il vous plaît. Par contre, il donne beaucoup d'XP, hein, quand même. J'avais pratiquement autant d'XP qu'en farmant dans les endroits les plus chauds du jeu. Ok, c'est absolument pas par là, c'est absolument pas par là. Mais les zones sont trop petites pour faire apparaître des chefs trolls, je pense. Parce que pour le moment, j'en ai vu qu'un, et en combat, il n'est pas apparu comme ça. Là, il y a peut-être des zones pour faire apparaître, mais le problème, c'est que j'en ai jamais vu, je crois, par ici. À moins qu'il soit que en haut. Il y a peut-être des zones plus faciles à le faire spawn, en vrai. Ok, 100 petits dégâts. Voilà, le petit kill. Faut que tu fasses de bons gros dégâts, s'il te plaît. Oula, quoi. Il s'est mis en position de défensif. Très bien. J'ai compris. Ok, quelqu'un d'autre va prendre les dégâts. Ok. Je tends comme un malade. Qu'est-ce que tu crois faire? Ah, par contre, t'es assez relou avec ta défense, là. T'es très relou, même. Et là, tu vas mourir. T'as beau avoir une grosse défense, ça ne sert à rien. Okay. J'aurais carrément dû venir m'entraîner ici, en fait. Parce que très clairement, je prends autant d'XP que là-haut. Enfin, j'en prenais des fois un peu plus. Je pouvais monter des fois jusqu'à 1800. Mais c'était chaud. C'était chaud. Ah, puis je crois que le deuxième monstre à battre, c'est le... Enfin, le dernier monstre à battre, c'est la... Comment dire, le crabe. C'est le crabe. Donc en vrai, il faudrait que je le batte aussi, hein. Mais par contre, je vois plus les griffeurs. Je trouve plus le griffeur. Ça, par contre, tu vas me faire chier. Tu vas clairement me faire chier, alors si tu pouvais mourir, merci. Hop, la petite flèche. Excuse-moi. L'esquive. Ah, ben voilà. Elle proc pas souvent. Elle proc pas souvent, mais quand elle proc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas le taux de chance que j'ai de proquer l'effet. Mais quand ça proc, honnêtement, la dernière fois ça avait proqué sur un méga glace qu'un monstre m'avait balancé. C'était très très puissant. C'était très cool. Oh mais mon dieu, j'ai pas de place. Donc je peux pas passer. C'est très relou. C'est extrêmement relou. Ok, toi t'es dead. Si tu pouvais aider... Non mais sérieusement ! Un coup ils esquivent tes flèches, un coup ils le bloquent avec leur bouclier. QB, s'il te plaît. Est-ce que tu peux apprendre à viser? Je suis obligé de finir le travail quand même. Non mais oh. Je suis le héros de la coterie. Ce n'est pas à moi de tuer la plèbe. bon par contre je trouve plus de griffeur là, ça me fait un peu. Je trouve plus de griffeur. Moi j'avais prévu de faire ça rapidement. Ok, donc là on est dans les grands couloirs. On est dans les grands couloirs. Peut-être une... Non, mais ils sont trop pro... Il n'y a pas assez de place pour passer à côté. Il n'y a pas assez de place pour passer à côté, du coup, je me tape à chaque fois. Je suis pas là pour m'entraîner. D'accord. Prends les coups de ton poste si tu veux. Enfin, tu vas juste mourir, en fait. Voilà. Ça a servi à absolument que dalle. Parce que du coup, ton pote meurt juste derrière. Par contre, 40 dégâts. Sérieusement.
Tubi, s'il te plaît. Fais un peu plus d'effort quand même. Bon, pas mal d'XP quand même. Même si bon, mes persos sont quand même assez loin de monter maintenant. J'ai une grande salle. Peut-être. Peut-être cool. Ok, c'est une grande salle, mais il n'y a pas beaucoup d'espace quand même. Par contre, les chefs trolls, je n'ai pas revu. Peut-être que les chefs trolls, ils sont là, mais pas beaucoup. Par contre, j'ai que les dracos machins là. Ils peuvent pas respawn les. Comment dire, les griffeurs là. Peut-être que je suis descendu trop bas en vrai. Je suis descendu peut-être beaucoup trop bas. Ok, non, 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 non. Toi, s'il te plaît, tu restes à ta place. Merci. Non mais sérieusement, pote, dégage. Genre, juste bouge, merci. Parce que là, genre, je passais juste même pas. Merci, j'esquive-toi. Non, 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 tu restes là. Ouais, je pense que je suis descendu beaucoup trop bas, mais je voulais essayer de choper les, une zone beaucoup plus large. J'ai pas eu le temps de revenir en arrière. J'ai absolument pas eu le temps. Mais bon, c'est chiant parce que j'en ai tué deux. Enfin, j'ai fait deux combats contre eux et ils m'ont pas donné un signe. C'est très chiant. Le problème, c'est qu'il faut que je revienne directement ici. Peut-être que si je tue les crabes directement là, je vais peut-être réussir à avoir la quête. Parce qu'en fait, il faut que je revienne ici après, pour le crabe. Après, je peux le trouver aussi dans sur la mer. Mais étant donné que le crabe est déjà là, peut-être pas trop de raison que je fasse un aller-retour pour rien. Ok, bon, pas d'XP. 280 pièces d'or, c'est toujours ça de gagner. Je sais pas si je peux avoir des meilleurs équipements, parce que je pense que j'ai les meilleurs achetables. Mais, enfin, je sais pas si... En endgame, je sais pas si t'en débloques d'autres. Mais j'ai les meilleurs achetables à l'heure actuelle. Je sais pas si... Après, peut-être l'alchimie, du coup, va m'en faire débloquer. Peut-être dans les antres aussi, je peux en obtenir... je peux en obtenir des puissants. Ok. J'ai le crabe aussi à tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer les crabes pour en voir. Peut-être que je vais réussir à brain un peu le truc et à finir avant qu'il me demande d'aller le voir. Ok, il tanque plutôt pas mal. Hein. Il tanque plutôt pas mal. Mais mon ami, tu ne fais absolument pas le poids. Et tout qui est passé au niveau 43. Ouh, intéressant. Très intéressant. Ok, donc. Je ne pense pas. Je pense qu'il faudra que j'en revienne ici après. C'est très chiant. C'est extrêmement chiant, mais j'ai pas l'impression. Après l'autre, j'ai tapé deux fois et ça a pas marché, donc... Possiblement que c'est pas ça. Alors... Donc du coup, faut que je vais remonter un peu dans l'étage. Non mais... Arrêtez de me spawn sur la gueule, s'il vous plaît. Je veux juste m'enfuir. Parce que là, honnêtement, cet étage-là, il est rincé du cul. Ok, donc là, je suis toujours pas au niveau des griffeurs. Enfin, très clairement que je me heal là, parce que honnêtement, c'est assez chaud. C'est assez chaud. Non mais, t'es au milieu du couloir, frère. Genre, bouge. Non mais, pas bouge vers moi, genre bouge de la pièce. Je voulais juste passer. De toute façon, tu vas mourir là. Par contre, elle fait vraiment aucun dégât. Il y a possiblement des résistances par rapport aux armes sur les monstres. J'avais jamais fait gaffe dans le jeu. Normalement, elle tape plus fort que moi, et là, je tape beaucoup plus fort qu'elle. Peut-être que sur les monstres métalliques ou de son style, ça prend moins de dégâts. Ça prend moins de dégâts sur les flèches. Je vais me faire un petit coup de soigner tout. Je pensais pas en avoir besoin, mais apparemment si. Apparemment si. On heal tout ça, et ensuite... Ensuite, une fois que j'aurai fini celui-là, je vais quitter et je pense qu'il faudra que je revienne ici pour aller tuer le crabe. Ah, un griffeur, ok, très bien. Apparemment, ouais, c'est vraiment genre j'ai descendu beaucoup trop bas. Allez, vous mourrez. Fais la toupie et attaque. Non mais, sérieusement, s'il te plaît, décède. Mais sérieusement. Hop, il est mort. Et le dernier, bon, il va pas mourir à ce tour-là, mais tout prochain, il est mort. Ok. Si tu pouvais me donner directement... Enfin, tu pouvais venir me parler directement après. Ça m'arrangerait beaucoup, j'ai eu de la chance sur l'autre. Ah, ok, parfait.
Le griffeur se remet vite debout et commence à parler. Je n'arrive pas à croire que tu sois si doué avec les griffes. Tu es presque aussi doué que mon maître Serge. Serge est aussi ton maître? Tu es venu pour avoir mon diplôme probation? Tu m'as battu. Je ne peux rien dire, n'est-ce pas? Bien joué. Parfait. Ça fait vraiment du bien d'être battu par un griffeur si doué après si longtemps. Tu dépasseras peut-être même Serge un jour. Ok, bon, ça c'est parfait. On va du coup repartir. Et on va valider la première quête. On va la valider. Attendez, école Saint-Sévère, c'est là-haut. Ensuite, je veux que je fasse le crabe. Le crabe, t'as l'air de le trouver, comment dire, dans la mer. Mais je sais pas dans quelle zone. Et en vrai, c'est chiant. Donc on va retourner dans l'antre, on ira le farm un peu. Ensuite, on aura fini ça, faudrait qu'on aille tuer les chefs trolls. Et puis, bah, on essaiera de faire la quête avec le massu, hein. Même si, bon, honnêtement, je sens que ça va être chaud. Mais, pourtant, ça, je suis quand même déçu parce que c'est celle qui me hype le plus. Simplement par le nom. Parce que c'est une technique qui est très connue dans l'univers Dragon Quest, enfin, dans les jeux en tout cas. Ah, ok, parfait. Le moment est donc venu pour toi de dire où se trouve mon troisième et dernier élève. Il vit tous. Tout au bout de l'océan, c'est une bête terrifiante aux griffes immenses, dotée d'une carapace à toute épreuve. Ah non, faut vraiment que j'aille dans l'océan. Si je reconnais ton talent, j'aurai la dernière preuve de tes capacités, va le trouver et donne tout ce que tu as dans le combat. Ok, bon. Faut que j'aille dans l'océan, donc il est tout au bout de l'océan. Ok. Où ça m'arrange, j'ai pas à redescendre dans les cachots. Parce que je pense qu'il y a des zones où les chefs trolls spawnent plus facilement. Donc, on va se soigner. Normalement, on peut dormir ici, et on va y aller. Logiquement, j'ai toujours ma chambre. Bien que ce soit très étrange, j'ai toujours ma chambre ici. Donc je peux aller pioncer. Du coup, ça fait un petit heal gratos. Parfait. Se reposer un peu. Puis du coup, on va prendre la mer, on va aller tuer le dernier. On aura pratiquement... On est à une demi-heure d'épisode, quand même, les amis. On n'a même pas réussi la première quête. Hein. Je pensais, en vrai, dans ma tête, je me disais, allez, en une demi-heure, c'est plié les deux quêtes. Et du coup, derrière, j'aurai le temps de faire. Mais en fait, ça va te prendre tellement de temps, mon dieu. Et heureusement, j'ai déjà fait la quête de l'épée. Donc ce qui quand même accélère quand même vachement les choses. Il faut qu'on descende en bas. Ce qui est logique. Hein. C'est très rare que tu descendes en haut, mais vous m'avez compris. alors, mon bateau est là-bas. Et puis du coup, faut qu'on aille tout au bout de la mer. Je sais pas si... Non mais... Oh, putain, ces monstres là, ils te poursuivent jusqu'au bout de la planète alors qu'ils vont se faire one shot. Genre vraiment, c'est des monstres de merde qui se font one shot, mais c'est les seuls qui te foncent dessus. Genre voilà, deux one shot. Bon après j'ai fait un coup critique, donc c'est un peu facile. Pas trop pareil, tu vas mourir. One shot pareil. En vrai c'est l'XP gratos, hein. Mais bon, ouais, très très peu d'XP quand même. C'est pas très rentable. C'est vraiment pas très rentable. Bon, on va essayer du coup de les esquiver parce qu'ils sont très très... Non, tu m'as pas vu. Non mais tu m'as pas vu. Ok, merci. Toi non plus tu m'as pas vu. Bateau, bateau, bateau. Ok. Vraiment. Faut que j'aille tout au bout de la mer. Bah écoutez, on va aller dans les eaux un peu foncées. Peut-être qu'il va spawn ici. C'est pas lui. C'est clairement pas lui. Mais je devrais tomber assez rapidement sur lui, hein. Je dois tomber assez rapidement sur lui. Ok, parfait. Tu veux Death a Day. 132 pièces. Je commence quand même à amasser une certaine richesse. Normalement, si je vais très loin, je dois retourner de l'autre côté de la carte. Ouais, c'est ça. Donc on va rester dans l'entre-deux. Tu m'as dit tout au bout de l'océan. Donc on va rester dans l'entre-deux. Et puis on verra bien ce qui se passe. Je sais pas s'il y a beaucoup de monstres par là. J'aimerais quand même... J'aimerais quand même que tu spawns assez rapidement. Ça serait sympa. Après, si je vais peut-être trop loin, j'ai pas de monstre, je sais pas. Bah c'est pas vous. C'est très clairement pas vous. Vous êtes des petits monstres de merde. Tu tankes ça? Sérieux frère? Genre, non, je meurs. Vraiment? Vous faites un de dégâts. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Un dégât. Ok, 56. Et je one-shot pas. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Je one-shot pas des monstres aussi faibles. Je suis quand même très déçu de mes 10 000 persos. Non,
je déconne. 1000 d'XP. En vrai, cool, hein, pour des monstres aussi faibles. Bon, par contre, j'aimerais beaucoup le trouver rapidement. J'aimerais vraiment beaucoup. Je vais m'éloigner le plus possible. Bah, vraiment dit au bout de l'océan. Donc, en vrai, je sais pas s'il a une zone précise. Enfin, une zone précise. Là, si je continue à aller tout droit, si je vais atteindre du coup le bas de la carte, j'aurai bientôt revoir mon point. Je l'ai pas revu. Ok, un abysor, un crabus, machin. Les abysors, c'est la première fois que j'en vois, je crois, dans le jeu. Je les trouve tellement stylés, ces monstres-là. Je les ai pratiquement tout le temps dans mes Dragon Quest Monsters. Je trouve tellement stylé ce monstre. Il est fort, hein. Il est vachement fort. Il t'a fait très mal, hein. Le crabe. Ok, j'esquive. Eh, mais en vrai, il fait très mal, ce monstre. Et il est très tanky, hein. En vrai, je pense que je suis arrivé dans une zone... Ouais, je suis arrivé dans une zone où les monstres sont plus forts. Parce qu'il a vraiment mis longtemps à mourir. Bon, dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi, frère. Ok, 85. 51. Ouais, bon, ok. Coup critique, là, véritablement, tu ne pouvais rien faire. En plus, je t'ai tué à la griffe. Ah ouais! Genre, bonne dose d'XP, quoi. Genre, vraiment. Ok, nickel! Parfait. Le crabe solustiliste se remet vite debout et commence à parler. Waouh, c'est un sacré coup de tonnerre dans le monde de la griffe. Ton coup de griffe déchire. Ne dis rien, Serge t'a envoyé pour voir s'il peut te confier le grand secret de la griffe. Je me sens obligé de m'incliner. Tu as remporté la victoire au la griffe. Tu as réussi. Parfait, du coup, on va pouvoir obtenir... l'attaque ultime. Vas-y, mais n'oublie pas, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera à griffe nue. Tu ne t'en sortirais pas aussi bien. Parfait. Parfait, parfait. Téléportation. On va aller du coup à l'école Saint-Sever. On va laisser le bateau là. On va laisser laquer le rhum d'abord. Enfin, hacker. Et du coup, les amis, on va pouvoir y aller. Je sais pas si l'école est ouverte le soir. Parce que dans le jeu, l'école était, enfin, était fermée la nuit. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit fermé, voilà. Pas de raison que ce soit fermé. Je sais pas si les profs seront là. Oh, c'est ok. Il y a quand même du monde là. En vrai, il y a quand même moyen. Quand même moyen qu'ils soient là, parfait. Eh bien, te voilà de retour et en un seul morceau. Félicitations. Et mon troisième élève a été témoin de ton talent. Tu es vraiment un griffeur d'exception. Il ne me reste plus qu'à honorer ma promesse en tenant le livre qui révèle l'ultime aptitude de la griffe. Parfait. Quiconque porte ce livre après s'être équipé de griffes pourra utiliser la main de Dieu, la technique de griffe la plus redoutable. La main de Dieu est une attaque ultra destructrice. Tes ennemis croiront que l'heure du jugement dernier a sonné. Maintenant, tu sais tout ce qu'il est possible de savoir sous l'utilisation des griffes. Félicitations. Parfait, les amis. Magnifique. Là, je me rappelais plus du nom de la technique. Je me souviens un peu de sa cinématique, mais genre la main de Dieu, genre c'est beaucoup trop stylé. Non, alors par contre, c'est absolument pas toi qui dois recevoir ça. Transféré à Tsukiya, à la place du... Bon, du nerf médicinal. En vrai, on s'en fout. Résultat des combats. Non, mais je voulais pas que tu me parles. Tracker, ok, merci. Faut qu'on aille chercher le chef troll. Affiché par famille. Ça doit être un démon, le chef troll. Voilà, il est là. On peut le trouver au palais de l'enfer, oubliette. Bah c'est directement dans le palais de l'enfer. Donc c'est ou dans les oubliettes. J'ai pas une autre zone. Chef troll. DQ9. Y'a pas une autre zone où... où je peux la voir. C'est la terre, le ravin, si... Ok, en fait, quand tu viens dans le palais, tu prends un... Ok... Attendez, j'ai trouvé... D'accord, ok. Bah c'est pas ça, ou non, c'est les grands trolls, moi je veux les grands trolls. Bah écoutez, il y en a que... apparemment, ils sont vraiment là-dedans. Je croyais qu'il y en avait dans d'autres endroits, mais non. Bah écoutez, on va aller...
On va aller du coup dans les oubliettes, on va y retourner, et on va essayer d'en trouver d'autres. Mais malheureusement, je n'ai pas vu spawner. Donc c'est assez bizarre. Non, ok, j'ai encore pas mal de... Non, je voulais pas me téléporter ici. Heureusement que la téléportation coûte rien. Mais je voulais pas me téléporter ici. Sans aptitude, téléportation. Palais de l'enfer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, il n'y en a pas en dehors ici. Non, des fois que. Des fois que, il y aurait dans cette zone-là, mais peut-être possiblement pas. Possiblement pas, ok. On va pas faire le foufou non plus. On va retourner aux oubliettes, on va essayer d'en faire spawn. Hop. Alors du coup, il n'y a plus de monstres ici, bel et bien. C'est quand même pratique, du coup, on va quand même beaucoup plus vite pour retourner dans la zone là-bas. Mais c'est chiant, c'est chiant. J'aurais dû faire la quête, mais après le problème c'est que tu peux en trouver apparemment en traînant par ici. Mais je sais plus honnêtement les monstres qu'il y avait dans la zone. Mais t'es pas rançant quoi, donc du coup c'est assez chiant. Ok, donc là je suis revenu ici, je peux me heal gratos. Donc en vrai on va le prendre, même si j'ai perdu que des PV. C'est gratos donc on prend, hein les amis. Hop. C'était quand même une... Ça, ici, c'était une zone quand même qui était cool pour XP avant. Ok, les PV sont remontés au max. C'est chiant qu'il n'y ait pas de passage rapide. Parce que ce serait quand même beaucoup plus facile d'atteindre cette zone-là. Donc on est obligé de prendre un dégât ici, c'est chiant. C'est très même très chiant. Je sais pas si on peut sauvegarder avec lui. Ok, bon, on arrive ici. Je sais pas si les chefs trolls peuvent spawner ici. C'est ici que j'en ai vu en tout cas. Donc on va farmer un peu dans cette zone-là. Y a que lui. Écoutez les amis, c'est l'occasion. On va utiliser la main de Dieu. Attaque. Ah non, c'est 14. Les gens disent 16. Attaque qui arrache la chair des ennemis de leur os. Oh, les amis. Regardez-moi ça. Magnifique. Aïe. Oh, c'est tellement balèze! C'est tellement balèze! La cinématique est vraiment ultra stylée. Mais du coup, c'est pas un chef troll. Donc, on continue. On continue. Il faut que j'en tue 10. Ça va être très long. Ça va être extrêmement long, les amis. Surtout s'il spawn très lentement. Surtout s'il spawn pas du tout, même. C'est Seigneur Malheur. Non. On va fuir. On va fuir, ça sert à rien de combattre, perdre du temps contre eux. Moi je veux juste chef troll. Ok, j'ouvre la porte ici. Toi t'es pas un chef troll, donc tu m'intéresses pas. C'est lui là. Ok, chef troll. Ok, si il spawn bel et bien comme ça. Si tu pouvais m'en mettre deux, non. Bon, okay. Juste un seul. On va utiliser. Non, ça va utiliser l'accompagnement. On va faire full attaque. Peut-être pas full attaque quand même. Si, en vrai, je pense qu'on va faire accompagnement. Sur Kyuubi, défense. J'ai pas de sort de. Et je vais regarder aussi un truc. Attendez. Monstre. Carnage. Sinon, c'est celui-là. Carnage monstre qu'il utilise. Non, c'est Ultima celui qu'il faudra que j'utilise pour l'aiglu. Et du coup, elle, faut que je mette défense. J'utilise accompagnement, histoire de one-shot bien correctement. Après, en vrai, on peut utiliser juste plusieurs de suite. Hein, mais on tank plutôt bien. Défense, défense, défense. Plus de douleur. Allez, s'il te plaît, décède. Bam, 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 bam. Ok, 356. C'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Le chef troll attaque. Mais il foire parce que c'est une grosse merde. divers, défense, défense, défense. Et pluie de douleur. Ok, parfait. Parfait, parfait. Non. Je vais juste regarder un truc, les amis. Ok, je regardais juste parce que la dernière fois je m'étais déjà fait avoir sur les grosses vidéos comme ça où je prévois de tourner très longtemps. J'avais plus de mémoire sur le PC, du coup la première partie de la vidéo elle avait bugué.
Donc, ok, c'est le deuxième, donc Batassi. Faut vraiment que j'en tue 10. Faut vraiment que j'en tue 10, les amis, parce que ça va être très long. Ça va être très long, liste des quêtes. Ah non, ça c'est autre chose. Des plumes, le torture masse, non c'est pas ça. Ok, ça, il veut que vous battiez 10 chefs 3. Ok, c'est bien 10. Ça va être très long. Ça va être très très long. Alors, pardon, tu spawns juste sur moi. Et puis en plus, tu m'amènes même pas de chef 3 là. C'est pas cool ça. C'est clairement pas cool. Okay, fais-moi des petits dégâts. Parfait. C'est le kill, les amis. C'est le kill. Pas de chef troll, s'il te plaît. Chef troll. Chef troll. Je veux un chef troll. Mets-moi en deux, même. C'est sympa. Toi, t'es pas un chef troll, tu m'intéresses pas. Toi, t'es pas un chef troll, donc tu m'intéresses pas. Toi, t'es pas non plus un chef troll, donc tu m'intéresses pas. Mais vous avez spawné que des monstres de merde? Ou c'est moi? Non, c'est pas moi, c'est que des monstres de merde, très bien. Ok. Bah écoutez, on va en tuer un. Peut-être qu'il y a un chef troll avec lui. Non, bon, il est tout seul, très bien. Bon, bah ça va être extrêmement long, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça, pareil, cette quête-là. Allez. Décède. Toi, tu es un KO. Ok, chef troll, s'il te plaît. Spawn rapidement. J'ai pas de moyen de faire spawner plus rapidement que ça. Donc, ce serait sympa que tu m'écoutes. C'est pas un chef troll, ça. Ça n'en est pas un. Non, toi, tu me fais chier. Tu me fais clairement chier. Bon, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça va être trop lourd. Ça va être giga relou. Non, je suis... Non mais me bloque le passage, mais t'es pas plus rapide que moi, c'est une statue. Genre à quel moment tu peux pas fuir la statue? Elle bouge pas. Enfin elle bouge pratiquement pas. Ok, bon. Ok, ok. Pas de chef troll en vue, toujours pas. C'est pas un chef troll ça? Bah il spawn vraiment ultra rarement lui en fait. Genre c'est un spawn rare. Non, non mais tu peux pas. Non. Ok, c'est bon. Chef troll. Mais moi en deux. Mais il est tout seul. Il est tout seul frère. Ok, tu oublies attaque, défend, défend. Je vais juste faire une attaque avec Tsukiai histoire de lui enlever quand même pas mal de PV. Une petite tension 5. Histoire 2. Okay, attaque moi si tu veux l'ami. Defense. Les douleurs. Et la meurt. Boum. Ok, parfait. Bon, troisième. Fouf, ça va être giga long. Ok. C'est le troisième, donc vous venez à bout ainsi. Ça va être giga long. Chef troll. Pas chef troll. T'en es pas un, toi. Non, bouge! Bouge de là. Genre, vraiment, sérieux, bouge de là. Non! Mais je voulais que tu bouges de là! Et en plus, t'es tout seul! Bah, meurs, du coup. Genre, décède. Merci. Ok, ça c'est l'XP gratos, mais j'en veux pas de ton XP. Tu me sers absolument rien. Chef troll? Chef troll! Non? Ok, oui! Ok. Mets-moi en deux, ou même trois, ou même quatre, d'un coup! Non, mais il est tout seul! C'est relou quand même! Frappe Apocalypse, et défense. Petite attaque. Ralliement. La frappe Apocalypse fait pas 300 dégâts, hein, s'il te plaît. De base, ça fait pas jamais 300 dégâts. Donc, hein, s'il te plaît, il faut pas la merde.
Tue-moi juste l'autre. Et boum. Beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. Défense, défense, plus de douleur. Allez, succombe à cette pluie de flèches. Bah ok, en plus le coup critique. Magnifique, ma chérie, magnifique. Beaucoup d'XP. Vraiment beaucoup d'XP. C'est le quatrième. Le quatrième, les amis. Le quatrième. Ok, chef troll. Chef... Non, pas chef troll. Toi, t'es pas un chef troll. Là, y a plein de places pour spawn par là. Non, mais... Tu me vois pas à travers le mur, frère. Jamais de la vie. Il n'y a pas, je crois que j'ai que des griffeurs ici. Le jeu a décidé de me mettre que des griffeurs. On m'a dit, hé, hey, t'en avais besoin tout à l'heure? Bah tiens, je t'en mets 12. Mais genre 2 heures plus tard. Ok, décède. J'ai dit décède. Non mais esquive. Il m'a pas vu. J'ai un tour préemptif parce que tu m'as pas vu. Alors tu n'esquives pas mes coups. Monstre de merde. Oh la vache. Chef Troll? Oui. Bonjour. Comment allez-vous, Mister? Mais pourquoi tu m'en mets qu'un à chaque fois? Tu es vraiment pas sympa. Tu es vraiment pas nice. On va taper le gardien de pierre. Frappocalypse. Défaut. Parce que la frappocalypse, c'est quand même stylé comme technique. Boum! Attention ça. Allez, frappocalypse, boum! Et bonjour! Ok, il est mort. Comme ça, tu vas pas prendre les dégâts. Plus de douleur. Maintenant, tu... Boum, boum, boum. Parfait! Bon, c'est le cinquième, les amis. On arrive à la moitié. On arrive à la moitié. Ça va. C'est très long. C'est extrêmement long, les amis. Ok, on a tué un chef troll avec ça. Il nous reste plus que 5. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bah en vrai, si il m'en mettait 2 d'un coup, là, en vrai. Si tu me mets 2 chef troll d'un coup, ça me monte grave le truc. Et j'en ai plus que 3 derrière à faire. Ok, chef troll, bon. Ça va. Là, en ce moment, il me les fait spawner assez rapidement. Mais il est toujours tout seul. C'est une dinguerie. Attaque normale, défense, défense. Première attaque, histoire de faire de bons petits dégâts. Normalement, même un coup critique, ça one-shot pas. Enfin, un coup critique, je pense que je monte à peu près à 300 dégâts. Ok, défense, défense, aptitude, plus de douleur. Et là-dessus. Boum, boum, bam, bam, parfait. Ça fait extrêmement mal. 98 pièces. C'est le sixième, il me reste plus que 4. Ok, mes amis, on tient le bon bout. On tient véritablement le bon bout. Non, toi t'es pas un chef troll. Chef troll? S'il te plaît. Et venez en groupe. Genre venez en bande organisée. Oui, ici. Très bien. S'il te plaît, viens en bande organisée. Genre avec un pote. Mais viens avec un pote. Ça ira beaucoup plus vite. Mais bon, qu'est-ce que... Lèche ton arme, fais-toi plaisir. Accompagnement Kyubi, attaque, défense, défense. La stratégie pour le moment porte ses fruits. Elle porte grave ses fruits, du coup c'est le septième celui-là. Bon, il reste plus que 3 derrière. Ça va quand même, ça va. C'est un peu rapide. Bon, véritablement, je me plains de celui-là, mais en vrai avec les glands de mercure, je pense qu'on va encore plus galérer. C'est vrai que celui-là, je suis même pas sûr de le finir. L'épisode va être long, les amis. On est déjà à 50 minutes d'épisode, on n'a toujours pas fini le chef troll, et on n'a toujours pas entamé le glands de mercure. Peut-être que je dividerai l'épisode en deux, en fait, je sais pas trop, mais... Après, je vois pas trop l'intérêt, parce que étant donné qu'on fait la même chose dans les deux, ça va peut-être un peu relou, je pense que ça fera juste un gros épisode de préparation, et ensuite le boss final, ça pourrait être plutôt sympathique. Dans mon idée, j'avais envie d'enchaîner deux tournages, mais vu l'heure qu'il est, ça commence à être compliqué, les amis, parce que j'ai plus que à peu près une heure de tournage disponible, ça va être chaud, ça va être très chaud. Bon, après, là, pour l'instant, ça va vite. Ça va vite, il spawn rapidement. Donc moi ça marche. Ok. Cri de ralliement. L'attention à 5. On se défend, on se défend. Là tu vas me faire 0 dégâts. Évidemment.
garçon, tu es trop faible, l'ami. Tu es trop faible. Plus de douleur. Allez. Et là, tu meurs. Là, tu meurs. Parfait. Plus que deux. Plus que deux, les amis. Je pensais pas que... Là, en vrai, au début, c'est... ça ramène un peu du cul. Là, ça va vite. Parce que du coup, à chaque fois que je sors, il y en a un qui spawn. Donc ça va. Si ça reste sur cette cadence-là... Et là, genre, s'il te plaît, cadeau, mets-moi en deux. Genre, vraiment, tu m'en mets deux, là, c'est fini. Ok. Genre, vraiment, je sens que le jeu va me troll en mode, le dernier va m'en mettre deux. Genre, vraiment, je sens que le jeu va me troll comme ça. Ok, sans... Ouh, il a fait moins de dégâts, là. Il a fait quand même beaucoup moins de dégâts. Ok, tu lâches ton arme, mon ami. Fais-toi plaisir. Défense, défense, défense. Plus de douleur. J'ai 10 dégâts de moi quand même sur l'autre, donc on va pouvoir faire mal. Bam, bam, bam. Ok, bon, ça tue quand même très largement, j'ai l'impression. Un peu d'XP. Et du coup, c'est l'avant-dernier. Il m'en reste plus que un. Ça, c'est beau, l'ami. Ça, c'est beau. Le dernier, s'il te plaît. Fais-le-moi spawn maintenant. Genre, là, il a spawn. Ok, parfait. Le jeu m'a écouté. Par contre, tu m'en mets deux, je fais pas ta cam. Oh, j'ai eu peur. Et quand j'ai vu deux monstres apparaître, j'ai fait non, sérieux frère, tu l'as vraiment fait. Mais non, ça va. Frappocalypse. On attaque lui. Ouch, ok, bon, il est one shot. Il est one shot. Attention, tu vas pas faire 500 dégâts d'un coup. Ok, bon, zéro dégâts. Ils sont toujours aussi pataux ces monstres. 177. Ça fait ultra mal cette technique là quand même. Défense, défense, plus de douleur, et tu es le dernier mon ami. Magnifique, on a mis à peine 3 heures, ça va. Ça va, c'était rapide. Parfait, bah écoutez, on a tué les 10. On va pouvoir retourner, récupérer les techniques ultimes de l'arc. Ok, morceau de lazarite. Vous avez accompli votre quota de 10 chefs trolls tués de cette façon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Sort et aptitude, téléportation. Alors attends. On va faire évac avant. On va faire évac. Et hop, téléportation. École de Saint-Sévère. Parfait. Potentiellement, il y a une autre mission après. Mais je sais pas c'est laquelle. Parce que il m'a dit fais ma première quête et ensuite je te donnerai une autre mission. En espérant que la deuxième soit rapide. Et puis ensuite, il faudra qu'on aille au niveau de Kilimanjaro, dans le donjon, il me semble, de Kilimanjaro. Je suis rentré par là, mais c'est parce que c'est pas bon. Ok, bon, merveilleux. Je crois que tu m'as rendu le premier service que je t'ai demandé, bravo. Non, mais regarde-toi, tu m'as l'air incarner l'archétype de l'artisan. Il te reste une dernière chose à faire. Tu es prêt? On y va. Je veux que tu m'apportes un super slip. Allez, en route, rends-moi ce dernier service et je t'apprendrai l'aptitude de plus... Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est laid de rester les bras croisés. Va vite me chercher mon super slip. Bah c'est où? Pardon? Excuse-moi, un super slip? C'est où je... DQ9? C'est quoi un super slip? On trouve ça où? Un slip kangourou et une agressance. D'accord. Est-ce que j'ai une agressance? Est-ce qu'au moins j'ai une agressance? Est-ce qu'au moins j'en ai? Agressance. J'en ai pas, hein? J'en ai pas d'agressance. J'en ai clairement pas. Mais c'est relou. J'en vois pas, hein, les amis. Agressance. Mais c'est relou, en fait. C'est très relou. Attendez, les amis. Prix... Je peux en acheter? Attendez. Je peux en acheter quelque part. Butin, fauche... Ah, je peux en faire avec des champignons, volubilis et stimuline. Ok, très bien. On va d'abord s'occuper de ça. Alors on va aller à Blizia. Alors c'est des champignons, des volubilis et un stimuline. Les champignons, je peux en avoir dehors.
Je sais pas si j'en ai assez, il m'en faut 2, plus 1, plus 1. Ah quoi, j'ai peut-être la recette dans mon truc en vrai. J'ai peut-être la recette. Mais c'est relou en vrai. Genre, à quel moment tu me demandes un super slip quoi? Genre, véritablement. Ok, Hashim Hermit. Oui. J'ai possiblement la recette. Objet. Ouais, voilà, je l'ai là. Agresseur. Oh, j'ai rien du tout. J'ai absolument rien. Alors, attendez. Les champignons si on a voir, des volubilis, je sais pas, et des stimulines, je sais pas. Stimulines, je peux tout à faire. Oh, ouais, la stimuline. Ouais, c'est là. Je peux faire une stimuline, ok. Ça, déjà, c'est bon. Il m'en faut qu'une. Il m'en faut qu'une. Hop, parfait. Les champignons, je peux en avoir en bas, par contre, les volubilis, je sais plus où on en a. Les champignons, je peux en avoir juste en bas dans la ville. Magasin fine fleur, ok. Bon, écoutez, je peux en avoir un fine fleur. Je peux en avoir un fine fleur, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, il faut que j'achète le slip kangourou, et il me semble que je l'ai dans les boutiques. Donc ça va être assez, assez facile. Il m'en faut deux, par contre, champignons. Enfin, champignons. Pardon. Normalement, il y a un parterre par ici. Qui en donne. Les champignons, s'il vous plaît. Non, je l'ai loupé. Je crois que j'ai loupé. Ok, il est là. Hop, le champignon. Magnifique. On va tout ramasser, hein. En vrai, on sait jamais. Ça peut me servir plus tard. Ça peut totalement me servir plus tard. Hop, champignon. Et champignon. Bon, maintenant, on va à la fine fleur. Récupérer du coup. Fine fleur. Le volubilis. Et ensuite, il faut que je récupère le slip kangourou. Je peux l'acheter dans quel magasin, slip kangourou? Pour Essep et Pontody, d'accord. Sinon, c'est un caleçon plus un boomerang. Bon. Écoutez, pff, par contre, caleçon plus boomerang, à quel moment c'est ça les. À quel moment c'est ça? Bon, écoutez. Alors, magasin d'objets, possiblement. Acheter. Volubilis. Magnifique. 66 pièces d'or. Hop, tu mets ça dans le sac, merci. Et ensuite, on va à Pontody. Et on va récupérer le slip kangourou. Il y a pas SEP aussi. Il y a pas SEP, mais tant pis, tant pis. On va aller ici. Et du coup, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour son super slip. On va pouvoir du coup récupérer la technique ultime de l'arc. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Hop, bienvenue dans le magasin d'armes et armures. Que voulez-vous acheter? Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, je veux un slip kangourou, s'il te plaît. Il n'y a pas un slip kangourou? Bah, attendez. Ah, à moins que ce soit dans le... Attendez, mais je l'ai vraiment loupé? Attendez. Elle me dit qu'il y en a ici. Jean, du pain de jean. À moins que ce soit dans le magasin d'objets. À moins que ce soit dans le magasin d'objets qui vendent un slip kangourou. Je sais, c'est bizarre, dit comme ça, mais c'est fort possible. C'est fort possible. Attendez, on va aller voir. Ici. Petit clip raffiné, moi. Ouais, ok. La plus raffinée du monde, je suis sûr qu'il vend un slip kangourou. Non, mais même pas, mais attendez. D'accord, bah écoutez, il me dit du caca, parce que j'en ai pas ici. Bah attendez, on va aller du coup à Port Essep. Pardon, il y en a. Mais ok, bah écoutez, Dragon Quest France, vous faites des bugs. Vous faites totalement des bugs. À moins que ce soit le caleçon, et du coup en fait c'est juste pour aller acheter ce qu'il faut. Mais dans tous les cas, si c'est pas ça, vous êtes trompé. Pontody, il n'y a pas le slip en gros. Moi je veux le slip kangourou s'il te plaît. Voilà, ici, merci. Oui, merci. On ne s'équipe pas tout de suite évidemment. Je ne peux pas m'équiper d'un slip. C'est un peu dégradant quand même. Et on va pouvoir du coup aller. Hop, téléportation à Blizia. On va pouvoir faire le super slip et le filer à l'autre tête de con. Qui va pouvoir me donner l'arcane ultime de la flèche.
Et ensuite, du coup, on va essayer, je dis bien essayer de voir si c'est possible de faire le truc. Mais bon, j'ai pas la recette. Est-ce que c'est grave? Au petit bonheur. Voilà, merci. Alors, on va utiliser du coup en objet une stimuline. On en met juste une. Objet. On va mettre un champignon. Un champignon. Où est-ce qu'ils sont, les petits champignons? Voilà. On en met deux. Hop. Merci. Et ensuite, jambes. Je veux... Oh, j'avais déjà un slip en gros. Non, j'en ai pas. Ok. On en met un. On laisse travailler. Pardon? Ah non, merde, je suis con. Putain, je suis con, c'est pour l'agressance. Attendez. Je suis con. Je suis vraiment débile. C'est la stimuline qu'il faut mettre. Objet. Il faut mettre les champignons. Je suis con. J'ai loupé une étape. J'ai loupé une étape. Très clairement. Hop. Non, attendez, il faut que je mette encore un champignon. Je suis débile. On en met qu'un. Non, attends. Ok, je suis foiré, je suis nul. Merci. Après, il me faut la volubilis aussi. Si je tombe avant sur elle, ce serait pas mal. Je crois pas que je tombais sur elle. Ah, ok, on en met deux. Et ensuite, c'est la volubilis. Ok, volubilis, ici. Merci. On laisse travailler. Ah mais j'ai fait au petit bonheur la chance, mais je suis con, j'ai eu la recette. C'est vrai que du coup, j'ai déjà parti sur, pour faire le super slip. Mais ok, objet du coup. Agressance. On en a une. Et du coup, jambe. Slip Congo. On en a une. Et du coup, alchimisation. Allez, fais-moi un super slip, mon ami. Je sais pas si c'est puissant ça. Donc tiens, un super slip. Ça protège du tonnerre. ok, ça se trouve c'est super puissant. C'est ultra puissant ça se trouve. Attendez, on va juste regarder sur mon perso. Voir. Super slip. En vrai ça a l'air balèze. Hein. Ça a juste 2 points de moins que mon pantalon draconique. Donc ça a l'air quand même méga balèze. École sans sévère. Et ensuite, du coup, une fois qu'on aura fait ça, on aura obtenu l'arcane ultime de la flèche. Et puis, bah, va falloir aller à la quête du Mercure. La quête du gland de Mercure, qui me fait absolument pas envie, les amis. Elle me fait absolument pas envie. Mais faut quand même tenter. Je peux pas dire quand même, genre, je la fais pas parce que c'est trop sûr. Parce que quand même, le sort est extrêmement cool, et ça se trouve, je vais réussir du premier coup. Mais quand même, c'est... bon. Allez, hop, tu es de retour. Alors, donne-moi la marchandise, s'il te plaît. Tu l'as, n'est-ce pas? Je mets le super slip Archibald, merveilleux, c'est bien lui, le slip de légende. Ah, ah tchoum! Mince alors, il ne sent pas la rose. Enfin, bref, bravo, tu t'es donné beaucoup de mal pour faire ce que je te demandais. J'estime que tu es fin prêt pour apprendre l'aptitude d'arc la plus artistique de tous. Pour commencer, lis rapidement ceci. Parfait, le tir de lumière pour faire de tes combats une révélation artistique tout en écrasant tes ennemis. Mets ce livre dans tes affaires et tant que tu utiliseras un arc, tu pourras utiliser le tir de lumière. Je suis fier de toi. Continue comme ça et ne renonce jamais à élever le tir à l'arc au rang d'art. Magnifique, les amis. Pam pam. Bon, ça fait véritablement 2 heures que je suis à cette quête. Je l'ai commencé à 15h, il est 16h02. objet, normalement c'est Atti qui l'a récupéré. Transférer du coup à Kyubi. Parfait les amis. Bon, on a 3 techniques ultimes sur 4. Maintenant on va entamer la quête de la plus dure. La quête de la plus chiante, on va dire. On va se heal et ensuite on va aller à Dracocardi. Enfin pas Dracocardi, mais Kilimanjaro normalement. Et dans la grotte de Kilimanjaro, normalement, je peux rencontrer des glands de Mercure. Normalement. Je dis bien normalement. Ok, il faut juste que j'aille. Je vais revérifier. Mais normalement, c'est là-bas. Alors. C'est la grotte Sagitta. Mais du coup, la grotte Sagitta, c'est à Kilimanjaro. Mais apparemment, les gens ont mis vraiment longtemps avant d'en trouver. Donc. Déjà, si le monstre est compliqué à trouver, ça va être relou. Ça va être très relou. Normalement, c'était Dracocardi plutôt, parce que Kilimanjaro c'est après.
Attendez. Le guide des métalleux. Gland de mercure. Attendez, gland de mercure. La grotte de Sagitta. Attendez, parce que. S'il te plaît. La grotte de Sagitta, je sais plus où c'est, moi. Ouais, mais la grotte de Sagitta, je sais plus où c'est. Ça doit être Dracocardi. Ça doit être la grotte avec le. On a battu le boss dragon. En tout cas, on va y aller. Hein. On va y aller, on va voir. Ça doit être là-bas. Ça doit être par là-bas. Ça doit être par là-bas, normalement. Et du coup, on va pouvoir tester un peu l'arc de lumière. Parce que du coup, cette cinématique-là, je l'avais jamais vue. La cinématique de la griffe, je l'avais déjà fait. Parce que dans ma première. Enfin, dans une de mes dernières parties de jeu, j'avais les techniques SP pour chacun de mes persos. Et il me semble que j'avais l'épée de la griffe, le fouet et la lance. Donc ces quatre techniques-là, je les connais. Mais ensuite. Ensuite, je les connais pas du tout. Donc. On verra bien. J'ai pas un sort passage sûr. Si, passage sûr. Merci. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça va me permettre au moins que les monstres me focusent pas et de pouvoir y aller tranquille. Je sais même pas si les monstres peuvent m'attaquer. Ah bah attendez. Ils m'ont la force dessus. Ou alors passage sûr, ça évite de prendre des dégâts. Je sais pas. On tentera ça une fois qu'on sera arrivé dans la grotte de Sagitta. Mais bon, écoutez, on va essayer. Alors du coup, faut le battre avec une technique de masse. Le problème, c'est que le gland Mercure a un haut taux d'esquive, enfin de fuite. Il prend pratiquement pas de dégâts, et cette technique tape en dernier. Donc tout ça cumulé, et faut, en plus, faut qu'il le batte. Faut que ce soit lui qui... Alors, il n'a qu'un à faire, heureusement. Mais faut qu'il le batte. Et ça va être méga relou. Genre, très clairement. Ça va être méga relou. On verra bien, les amis, ce que ça va donner. Normalement, j'ai un passage là-bas. Faut que j'aille au l'étage moins 3 de la grotte Sagitta, apparemment. Ok, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Et il faut que j'aille à l'étage N-3. Après, peut-être que je peux en trouver un sur la route, du coup. Ce qui m'arrangerait quand même fortement. Mais il faut que je descende. Non mais sérieusement, verrouille de l'autre côté. Après, à mon avis, ça peut quand même spawn ici. Bon. Alors toi, du coup, tu vas être le choisi pour subir le gourou de l'arc. Non. Combattre, défense, défense, défense. Tir de lumière, 18. Ouh. Bon. Super tornade. On prend absolument rien. Ok, tir de lumière. Oh, magnifique, mon ami. 223. Oh, ça fait très mal aussi. Hein. Ça fait extrêmement mal. Alors là, par contre, Corvus, frère, t'es pas prêt. Il est pas prêt. J'ai vraiment hâte. J'espère vraiment réussir à faire la quête assez rapidement. Pour qu'on puisse quand même la voir. Parce que... Non, mais sérieusement... Ah si, non, ok, je peux ouvrir. Je pensais que j'allais pas pouvoir l'ouvrir. J'allais dire, non, mais frère, sérieux. Ok, donc là, on est à N-2. Bientôt. Et ensuite, N-3. La descente, elle est où? Elle est où? Normalement, faut que je joue au niveau de l'escalier. Enfin, faut que je descende ou je monte. Il a une chance de spawn. Après, j'avais des gens qui disaient aussi que si jamais il n'était pas là, je faisais 4 combats, 4 ou 5 combats. Et généralement, il apparaissait. Ça va être très long. Ça va être extrêmement long. Et du coup, ça va être ça va être là-bas, quoi. Normalement, cet étage-là, il peut spawn. Il peut clairement spawn. J'en ai peut-être déjà vu, hein, en vrai. J'en ai peut-être déjà vu dans la zone quand j'y étais pour la première fois. Mais très clairement... En fait, du coup, les gens ils disent de farmer là, en fait, de descendre ici et de remonter direct derrière. Parce que là, il n'y a pas de monstres ici qui peuvent spawn. Et du coup, attendre de voir s'ils spawn ici. Ok, toi t'es... Non, ok. Ça, c'est très chiant, mon ami. Des froids qu'on casse. Alors du coup, c'est des très vieux monstres, comme à mon avis, je les one-shot. Toujours pas. Bon jeu. Allez, s'il te plaît, décède. Non, toujours pas. Frère, tu résistes. Tu résistes très bien. Ok, décédé.
On récupère un tout petit peu d'XP, un peu d'or quand même, 320, c'est quand même pas négligeable. Mais j'aimerais bien que tu spawns assez rapidement le gland mercure. Et le problème c'est que même une fois que j'ai chopé le gland mercure, c'est même pas dit que j'arrive à le battre en fait, tu vois. Ok, on va descendre, on va remonter. C'est même pas dit que j'arrive à le tuer en fait. Parce que faut le tuer, enfin faut le finir avec cette technique là. Mais faut avoir un coup critique quoi en fait. C'est genre, faut chatter, avoir un coup critique et le tuer comme ça quoi. Mais déjà faut réussir à pas le faire fuir. Et derrière, faut réussir un coup critique quoi. Genre c'est ultra ultra chaud. Et du coup je crois que les mecs disaient bah c'est faut, en fait, faut vraiment faire ça en fait. Faut faire ça, monter, descendre et attendre de voir s'il y a un gland mercure qui apparaît. Non, ouais, je vais essayer d'explorer un peu plus à ça, là, parce que pff, si je dois monter, descendre à chaque fois et que je dois faire spawn qu'un monstre, frère, ça va prendre 2 heures. Hein. Ça va véritablement prendre 2 heures. Hein. Bon, on va explorer un peu la salle, voir s'il n'y en a pas un qui spawn quelque part. Par contre, j'ai vraiment le seum si je le vois apparaître quelque part et que je suis pas. Enfin, que j'ai pas moyen de le rejoindre. Non, par contre, tu me saoules. Vous me saoulez, les monstres. Genre, vraiment. Vraiment, là, c'est insupportable. Pas de l'ouverture qui apparaissent, leur taux de spawn doit être absolument dégueulasse. Après, il va peut-être apparaître en battant les monstres. Non, fuir. Non, mais c'est des statues de pierre, ils ont une défense de merde. Genre, vraiment. Attaque-moi si tu veux. Je vais tester quand même l'ultime assu pour voir si ça peut faire de gros dégâts ou avoir des dégâts de critique assez souvent. Parce que en vrai, si jamais c'est pas de gros dégâts, genre ça fait même pas genre un 1, tu vois, genre ça veut dire qu'il faut que je lui fasse de petits dégâts et ensuite je le tue quoi. Ok, bon, c'est des dégâts vraiment basiques. Hein. C'est des dégâts vraiment basiques de fou. Donc, bon, ça, je pense que ça va être une des missions les plus chaudes en vrai. Déjà, faut trouver un monstre métallique. Déjà de base, c'est chaud. Mais en plus, faut réussir à le tuer d'une façon extrêmement spéciale. Ok, bon, parfait. Parfait, parfait. Toi, je vais passer comme là, pour avoir l'archimage. Faut tuer un aglantin avec une technique. Mais c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Ok, bon, les amis. Toujours pas de gland de mercure. J'avais au moins tenté sur un, tu vois, voir si c'est faisable. Parce qu'en vrai, la technique pourrait être de, comment dire, de le paralyser de peur. Et du coup, qu'il puisse pas attaquer. C'est pas un gland de mercure. J'ai vu un machin gris apparaître, j'ai fait « Oh, gland de mercure ». Non, c'est pas un gland de mercure, c'est une statue vivante, s'il te plaît. Ne confonds pas les deux. Ok, gland de mercure. Gland de mercure, les amis. Mais du coup, il risque de fuir. Il risque clairement de fuir. Je vais faire une lame de métal sur lui. Comment dire, un scratch sur lui, ultime assu sur lui, et j'ai fait tir de lumière. C'est absolument pas ce que je veux faire. Ok, j'ai mis 3 dégâts. Et il fuit, voilà. C'est ça que je disais, ça va être tellement chiant. Il fuit le monstre. Non, ça va être relou. Ça va être extrêmement relou. Bon, j'ai fait le tir de lumière un peu foiré. Je voulais faire le méga tir. Mais ça va être extrêmement long, les amis. Bon, un peu d'XP. Bon, déjà, on en a vu un rapidement. C'est ce que je suis en train de me dire. On en a vu un qui a spawn rapidement, quand même. En même pas 5 minutes, il y avait spawn. Donc, ça spawn quand même de temps en temps. Maintenant, faut réussir à en trouver un. L'avoir en par surprise. Et essayer de le tuer, en fait. En fait, faut vraiment que je réussisse à l'avoir de derrière. Comme ça, j'attaque par surprise. Et j'ai un tour préventif sur lui. Non, bon, ok. Là, très clairement, les monstres vous faites chier. Donc toi, tu meurs, s'il te plaît, merci. De toute façon, les amis, on tente encore pendant 5-10 minutes. Et si dans 5-10 minutes, on l'a pas, on va mettre fin à l'épisode. Et puis, tant pis, soit j'essaierai de le faire un peu en off. Et si jamais ça marche pas, tant pis. On n'aura pas l'attaque ultime de la massue pour le boss final. Soit j'y arrive et puis bah tant mieux, toi, du coup on a l'attaque ultime. Et puis bah sinon au pire on l'obtiendra du coup en endgame. Et puis je vous la montrerai en endgame dans des petits épisodes bonus. Mais très clairement, je vais pas non plus genre perdre 3 heures de l'après-midi juste pour une mission.
Parce que les autres missions, en fait, c'était faisable, parce que c'était long, mais c'était faisable. Là, en vrai, je sais même pas comment tu peux y arriver, quoi. Il y a trop de monstres. Non, mais tente de s'enfuir. Mais c'est des statues, pourquoi tu veux pas fuir? Genre, vraiment. Ces statues, elles vont à deux à l'heure. Et en plus, utiliser sa protection, quoi. Frère. S'il te plaît, fuis. Non, mais... Mais à quel moment il me bloque le passage? C'est ça que je suis beaucoup plus rapide que souffle frais. Fais-moi ton souffle frais, l'ami. C'est bon, vous me gonflez, quoi. Alors, sérieusement? Non. Tir de lumière, et vous allez tous mourir. Genre, vraiment. Toi, t'es là, t'es mort. Hop, le méga tir de lumière, les amis. Et boum! Voilà, des gros dégâts, vous êtes tous morts! Genre, au bout d'un moment, me faites pas chier! Pas de montée de niveau en plus, donc faut combattre, mais ça va rien! Ok, bon. Un gland de mercure, s'il te plaît. Genre là, maintenant. C'est pas un gland de mercure, ça. Ça, c'est une statue vivante, je reconnais le monstre. Par contre, si je vois un gland de mercure et qu'il me fuit, j'ai le giga ça. Mais dégage! Genre, juste. Je voudrais au moins descendre l'escalier, voilà. Refresh ta salle. Refresh ta salle. Et voilà, il y a un gland de mercure spawn maintenant. C'est pas des glands de mercure, ça. C'est clairement pas des glands de mercure. Ok, ça s'en est pas un autre. C'en est pas un. Ok, on remonte. S'il te plaît. S'il te plaît, les amis. Pour qu'on puisse mettre fin à cet épisode sous une bonne note. Et je crois que le jeu n'a pas envie de terminer, enfin le jeu n'a pas envie de me permettre de terminer mon épisode sur une bonne note. Il est en train de me dire, non frère, n'espère pas, c'est fini, c'est terminé, tu n'auras jamais ton tentacle team à la masse. Pas du gland de mercure, ça me fout un giga sum. Gland de mercure, ok bon, je l'ai eu de face, parce que je pensais qu'il allait s'enfuir. S'il te plaît ne fuis pas, s'il te plaît ne fuis pas. S'il te plaît, réussis d'attaque. Flèche sacrée. J'ai fait flèche sacrée. C'est pas flèche sacrée que je dois faire. Ok, j'ai fait trop plein de dégâts. Ok, il est attaqué. Il est attaqué. On va voir si... Peut-être, en vrai, peut-être que ça fout des dégâts à chaque fois. Hein. Enfin, ça fout des dégâts assurés. Bon, flèche sacrée, ça va rien faire. Allez. Coup critique. Ah, j'ai le giga sum. Genre, vraiment. Mais il va fuir du coup. Ok, il attaque. Ok. J'ai encore une chance. Je sais pas combien ça a de PV, hein, Gland Mercure. Je sais pas combien ça a de PV. J'ai fait un dégât. Combien ça a de PV dans... comme monstre? Ils ont combien de PV? S'il te plaît. Bon, alors écoutez. Il a pas fui encore, il a pas fui. Ce qui est une bonne nouvelle. Et il continue d'attaquer, les amis. Il y a peut-être une chance qu'on réussisse. Il y a peut-être... Ça, mais je sais pas combien il a de PV, ça se trouve, il y a tellement de PV que je suis vraiment trop loin de le tuer. Ah mon dieu. Mais je sais pas combien il a de PV en fait. Du coup, je peux pas me dire. Je peux pas me dire, genre, à quel moment je vais être. Je vais être bien. Bon, écoutez. Défense, défense. Là, en vrai, je pense que c'est beaucoup. J'arrive à fuir. Genre, non. Et voilà. Putain! Mais je veux savoir combien il a de PV en fait. Genre, attendez. Clan de Mercure, PV. Attendez. Le gland de Mercure. 7 à 8 points de vie. Ça a 7 à 8... Oh, j'étais vraiment très loin de le tuer. J'étais vraiment très très loin de le tuer. 7 à 8 points de vie. Putain, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Peut-être même le tour... J'ai bugué. J'espère qu'il m'a tapé derrière. Donc. Ok, donc. Lame de métal. Scratch. Ultima su. Et là, du coup, c'est pluie de douleur. Ok, 2 points de dégâts. Ah, il a fui. Ah, l'enfoiré. Bon, écoutez, j'en ai eu deux rapides. J'en ai eu deux rapidement, je pense que je vais me faire avoir. Je vais pas en avoir pendant un petit moment. Ça a 7 à 8 PV.
C'est relou as fuck cette mission. C'est relou as fuck. Hein. Genre vraiment. Ok. Alors pour le moment ils ont tous spawn par ici. Je sais pas si c'est une zone où les glands de mercure spawnent plus facilement. Mais ils ont tous spawn par ici. J'aimerais tenter au moins sur un dernier. Sur un dernier gland de mercure, si ça marche pas, tant pis. Et puis on fera ça plus tard. Mais en fait c'est chaud parce que là en fait j'avais 3 tours, donc en vrai je pense que j'aurais pu, très clairement, si j'avais mieux joué, le faire. Maintenant que je sais que ça a 7 à 8 PV. Maintenant que je sais que ça a 7 à 8 PV, il y a moyen que j'arrive à les battre. Mais après. Ok, j'ai réussi à... Je sais pas si je l'ai eu derrière. Il n'y a pas que lui, putain. Ça c'est relou ça, il n'y a pas que lui. Du coup, la pluie de douleur va taper tout le monde. Bon, il a tapé. J'ai bloqué avec le bouclier. Ok, 2 points de dégâts. On est à 2 points de dégâts. J'ai déjà fait 1, donc on est qu'à 3. Pluie de douleur. Ah, tapé que les deux. Oh, mais relou, on est qu'à 3 points de dégâts. C'est clairement pas assez. Et on a fait aucun dégât. Ok. Lame de métal. Scratch. Ultime massue. Et plus de douleur. Fuis pas. J'ai fait 2 points de dégâts, donc on est à 5. Il a lancé bon. On est à 5 points de dégâts sur lui. Oh, je l'ai tué. Oh merde, putain. Oh, le seum. Oh, j'ai le seum, je l'ai tué. Oh putain. Oh, j'étais presque. J'aurais fait qu'un point de dégâts. En vrai, j'aurais pas dû taper avec l'âme de métal. J'aurais pas dû taper avec l'âme de métal. La ultime assu qui tue. Oh, j'ai le seum. Bon, je monte de niveau. Un type passe niveau 39. Ça, c'est des bonnes nouvelles. 6 points de compétences gagnés. Vertu, du coup. On met tout ça là-dedans. Lyrix, je sais pas c'est quoi. Ok, bon, on essaye un dernier, parce que moi j'avais une bonne strat. En fait, s'il avait été tout seul, je pense que ce serait passé. S'il avait été tout seul, je pense que ce serait passé, parce que je n'aurais pas tapé les autres. Et peut-être dès tour 1, j'aurais peut-être pu taper uniquement avec l'ultimation. Mais relou. S'il te plaît, spawn rapidement. Soit le dernier, soit dans 5 minutes. En gros, si jamais. Et si jamais, c'est pas grave, on n'aura pas la quête. Mais okay. Pas de spawn pour l'instant. C'est ultra relou. J'étais presque, hein. J'ai tué. En fait, je pensais pas le tuer. Parce qu'en fait, c'est entre 7 et 8. Et du coup, lui avait 7. Mais des fois, ils peuvent avoir 8, j'ai l'impression. Donc ok, pas de gland mercure pour le moment. Mais du coup c'était chiant vu qu'il y avait d'autres monstres avec lui. Je pouvais pas focus uniquement ce monstre là. Donc ça c'est extrêmement relou. Ouais, alors en fait faut soit compter sur ça, soit compter sur un coup critique du perso. Mais le coup critique c'est chaud en fait. C'est chaud de compter sur un coup critique. Parce qu'en fait si je fais un coup critique, alors, du coup c'est gagné. Hein. C'est clairement gagné quoi. Mais c'est chaud, c'est très très chaud. Pas de gland mercure. Toujours pas de gland mercure. Ça c'est très relou. C'est extrêmement relou. J'ai eu de la chance. En fait, pour l'instant, j'ai eu de la chance, ils m'ont pas fui. Enfin, fui de base, en fait, genre en les voyant. Mais le problème, c'est que du coup, vu qu'ils apparaissent toujours de face par rapport à moi. Bah, je peux pas les taper par derrière et du coup avoir un tour préemptif sur lui. Et ça c'est relou. Ok, gland mercure. Ok, bon, je l'ai eu derrière, il a fui, mais je l'ai eu derrière. Il est 3 bas sur 10. Ok, nickel. Lame de métal. Scratch. Ultime assu. Et plus de douleur. On va essayer de focus le plus de dégâts possible. On a fait qu'un point de dégâts. C'est très mauvais. On est à 1, 2. On a 3 dégâts. Ouf, c'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais.
Et je fais pas de dégâts ici. Lame de métal. On va faire un... On va faire un terraflure plutôt. Ultime assue. Et j'ai pas une aptitude pour le bloquer. Sort. Non, j'ai pas de sort. Fuis pas, s'il te plaît. On a 4 points de dégâts. On a 4 points de dégâts. On est à 6 points de dégâts. Il a utilisé banc, faut que je touche. Touche-le avec ultime assue, c'est terminé. Touche-le avec ultime assue, c'est terminé. S'il te plaît. Ati, s'il te plaît. Oh non, il a loupé. Oh la vache. Ah, je peux faire cri de guerre. Je peux faire cri de guerre, peut-être. Est-ce que je peux te bloquer? Oh, mince. Et il a fui. Oh putain, j'étais presque. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh, c'est relou. Bon, je fais juste un aller-retour, et puis si jamais il n'y en a pas, j'abandonne. J'abandonne pour l'instant. Et puis j'essaierai de le refaire plus tard. Je sais pas en fait si j'aurai le temps de le faire avant le dernier épisode. Je peux spawn le monstre d'ici, s'il te plaît. Ok, bon, très bien. Il a pas voulu spawn. Normalement, j'en ai deux, hein, donc je spawn. Vous avez vu comment j'essaie de gratter un peu des minutes. Mais bon, en vrai, c'est beaucoup trop chaud. En fait, c'est dépendant de tellement de paramètres. C'est faisable du coup, on l'a vu dans ce combat là. C'est faisable, mais ça dépend de tellement de paramètres. Bon bah écoutez les amis, tant pis. On n'aura pas réussi à le faire aujourd'hui. On a déjà un épisode qui va pratiquement durer 1h30. Donc en vrai, on va s'arrêter ici. On va aller du coup à Cherubel. On aura obtenu du coup 3 techniques ultimes sur 4, puisqu'on avait déjà l'épée avant. Donc c'est une très très bonne chose. Du coup, prochain épisode, on va aller attaquer Corvus du coup dans cet épisode final. Peut-être que j'aurai la technique ultime de la masse entre temps. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je vais essayer en tous les cas. Et puis si jamais les amis, on se retrouvera du coup au niveau du endgame. Pour obtenir cette technique-là, je le ferai certainement off, mais je vous la présenterai du coup en endgame. Donc voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que ce gros épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, et surtout dans l'ultime épisode de notre let's play sur Dragon Quest 9, cette année. Allez les amis, ciao!